qu'elle aurait raison? Vous avez vraiment l'intention de faire une bêtise? Peut-être bien. C'est même probable, pour tout vous avouer. Mais ça pourrait tout régler. Et vous ramener Nora. Vous savez, je ne pense qu'à sauver ma fille. Waouh! Eh bien, si mon plan marche, on y arrivera. Tu pars en balade, Raymond? Oh, non, 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 bien sûr que non. Zari a rerouté le drive temporel, de toute façon. Ouais, et Gideon vient de me dire que quelqu'un l'avait rerouté. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, Sarah voulait qu'on boucle le vaisseau, donc... Donc t'as décidé d'installer Damien Dark dans les skiffs? Eh hey. Arrêtez de faire l'imbécile. T'es devenu complètement fou? Bah, je sais, ça peut paraître bizarre. Plutôt ouais. Mais j'ai une explication parfaitement rationnelle. Vas-y, j'écoute. Moi aussi. Désolé. Mon nez! Qu'est-ce que tu fous? Non pas que je déteste voir le jeune Pompadour se faire frapper, mais pourquoi ne pas simplement lui avoir dit où on allait? À ce propos, où on va? Au moment même où Malus est sorti de Nora. Et j'ai rien dit à personne parce qu'on n'a pas le droit de modifier ce qu'on a déjà vécu. Et surtout parce que personne ne me fait confiance. Oui, il y a de ça aussi. Que je vous mets une sacrée déculottée. Ouais, et ça fait toujours mal. Désolé. Merci. Alors, le plan, c'est d'assommer Nora. Gentiment, hein, très gentiment, évidemment. Mais surtout, il faudra qu'on la maintienne inconsciente le temps de trouver un moyen de la libérer de Malus. Alors, on ferait mieux de faire vite. Allez-y, assommez-la! Dépêchez-vous, bon sang! Oh, c'est moche de frapper ces gosses. Pistolet à nanorobot, vous l'avez volé? Ça va la tuer? Désolé, chérie. Nora. 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 Pourquoi? Parce que je t'aime. Et je veux pas que tu deviennes un monstre. Comme moi. Imbécile. Tu pensais que détruire ce vaisseau empêcherait mon retour? Je vais te prendre à sa place. J'avoue que je comptais là-dessus. Allez! Allez! Emmenez-la! Allez-y! Ah.